du côté de la base aérienne. Et les officiels congolais sont là, les corps constitués, on a vu quelques-uns. Nous avions aperçu de loin le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, il est déjà là. Et les autres corps animateurs des institutions, certainement qu'il y aura le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le nouveau président de la Cour constitutionnelle, les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Tout le monde sera là pour dire au revoir au président Kenya qui vient de passer des moments pathétiques en République démocratique du Congo. Nous l'avions dit hier, très détendu, comme s'il était au Kenya. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit que le président Kenya est plus qu'un frère parce qu'il a reçu au Kenya avant même qu'il ne soit candidat président de la République. Donc nous avions constaté qu'il y a un accord, il y a une intimité parfaite entre les deux chefs d'État, ce qui est une bonne chose, mais dans l'histoire contemporaine de la diplomatie, on a vu des présidents de la République où le courant ne passe pas, mais entre Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ciel est bleu, les relations sont parfaites, ils sont en parfaite harmonie, ce qui est une bonne chose dans le cadre de la coopération entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Godé Kabundi, vous pouvez prendre l'antenne et poursuivre cette retransmission en direct à partir de l'aéroport international de Ndjili. L'RTNC a mobilisé personnel et logistique pour cette retransmission et nous y sommes jusqu'au départ de l'avion du président de la République du Kenya. Godé Kabundi. Tosa kijila wetu Blaise Bokuki ya Sanza, tubika tusha dikila bana mwene kongo bwase, anumutu vubaki jila kabiji mfumo wajitu ngaja Kenya, yeye ki Uhuru Kenyatta, lelu kabidi tulincha kumupinga jo bwase ya mwene mshindo wakufinga na kuenda, tukariba tukila nilunke lulonsu kuchipalu chine na cha Njili, kujibatu batu ulabafuwa. Anubo kumona mshindu wa kumu fingaja ni nulipasha tukabia kana bwase Uhuru Kenyatta uvumufika mune mumulwendu lwa meba makumia na ini mwanda mukulu afumika la kengedipo bwase bazincha kwenza muyuki mune nane na ii wakata pulakateka ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbwakuni shari kila fatoka bwase yeya urumika la mufika mune mu muditunga dia Kongo Demokratike Uhuru Kenyatta urumika la ushari kabia kana bwase yeya ujini malanda makana ni majalama ni mfumo wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tombolo kala jepa dimbele mchina bwa kuvambuka boya walu bwase uji walunge nyilutwa urumika la ujinga bwase ditunga dia Kongo Demokratike jikala ditunga jakana ni jijalama bidibiki angala kwenza mayuki ni matunga makuwa mjubika la bikengedibwa anubwase bana bamulitu ngida Kongo Demokratike bamuna pabumwakuja kukuta ni kondoloka mwanda mwaka nudi wase nudibashia dikabia kana wase kuditunga ja Kenya momwemu mjumuika la mianda kabu kabu idimika la yenza wase ditungedi jikala ditunga dia songo kumatunga makuwa mianda ya turism mjitunga jabu idimika la mikumbana ni mijala ma Louis Baku, lujika bidilu kumbana, bwaluba we mufika bu mujimu Nairobi, nusa angana bwase, mwaba mwakana wakwende la buenyi. Kibwalu kai malanda, adibika la bashemesha, pangachipa ditunga ya Kongo Demokratike, ditunga ya Kongo Demokratike, ni ditunga ya Kenya, yadimika la malanda makana ni majalama. Kibwalu kai nwa mwalu bwase, makele la washadi, bafobika la bambuna mwakuto bia la famikanda. Mwanda umwa, uvuwa mwanda wa bukubi, anyi sekurite, mwakulu wa bitangila mo mianda ya biluilu mwase jitunga da Kongo Demokratike jindishinga jase kuluseka lwa est jitala jijala mani jaka na jimono mwakubwele kibwalu kai bamu nushindu wakuto biala famikanda matuko biala famikanda idimikali itangila mianda ya mabanji mianda idimikali ya nzabu wase mabanji amulitunga da Kongo Demokratike ni bidi kwa kibwalu wano munu nise jipatuka jipatuka mu bilo bia mfumu waditunga bafweki wakumwana buwani baloku fika panshi wa batata mulubu wa miabi vubika la basunye mikanda jifuweka jabu na mwini mfumu wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni Uhuru Kenyatta baiku imana kumaketi maketi vubima na ubo vumuleje buwase ujini dijinga jase kuluseka lwa changu bambu ya chakwasa nzubu mine na miaka na bipalu bia ndundu ni bintu biko wabishi nishilani bidibika libi kengedibu buwase jiba didibubika la babiasa kako wakuikala nu vilu umwa ujiba bigila buwase vilu wa gombe nasha ni kuikala kabili muku wabu ujiba bigila buwase kuluseka lwa changu
Merci beaucoup Godé et Kabundi pour ce Chiluba bien fignolé, très chers téléspectateurs. Pour ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes bel et bien ici au niveau de l'aéroport international de Ndjili. Vous le remarquez, ce drapeau qui flotte, hein, le drapeau kenyan qui annonce bien sûr la présence du président kenyan en République démocratique du Congo. Il est arrivé avant-hier. Il a reçu un accueil chaleureux de la part de son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'aéroport d'Ndjili, au niveau du pavillon présidentiel, les deux chefs d'État se sont dirigés vers les centres-villes où le président kenyan était installé. Et hier, c'était un tête-à-tête avec toutes les parties, la partie kenyane et la partie congolaise. Bien avant ce tête-à-tête entre les deux parties se sont retirées et ils ont laissé les deux présidents parler. Mais ce qui est vrai est qu'il y a eu au moins près de deux heures, hein, de deux heures d'entretien entre les deux chefs d'État après la signature des accords qui ont porté, on a parlé à des différents secteurs comme la pêche et comme l'élevage. La RDC accorde également une place importante à la pêche et à l'élevage. Ce qui est vrai aussi est qu'il y a aussi le tourisme, hein, qui est un secteur porteur, générateur pardon, de recettes pour le Kenya. Hier, nous avions dit que la RDC pouvait s'inspirer de l'expérience kenyane au niveau du tourisme. Et je crois que Moderun Simba, le nouveau ministre du tourisme, va certainement effectuer une visite officielle au niveau du Kenya pour s'inspirer de l'expérience kenyane, car la RDC pardon, a des sites touristiques qui méritent une attention particulière et ce secteur peut être générateur des recettes. Il faut seulement une politique pour valoriser ce secteur qui est générateur des recettes, nous l'avions dit. Les deux présidents sont actuellement en route d'un moment à l'autre. Ils vont arriver ici au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Ils sont tous à bord du même véhicule, ce qui prouve à suffisance des bonnes relations qu'entretient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Uhuru Kenyatta. Nous l'avions dit, c'est une intimité entre les deux. Et je crois que le président kenyan, comme il a souligné hier dans son intervention au niveau du Palais du Peuple, il a passé des très bons moments en République démocratique du Congo. Je parle bien du Palais de la Nation et non Palais du Peuple. C'est un lapsus qui s'est glissé. Vous comprenez que ce sont tous de vestiges
de la République démocratique du Congo, les grandes décisions se prennent au niveau de notre pays. En gros plan, vous le remarquez, c'est le commandant de la région militaire pour la ville de Kinshasa qui est déjà dans la salle avec d'autres personnalités qui sont déjà là. Et ce plan panoramique, c'est bien le pavillon présidentiel. Très chers téléspectateurs, il faut aussi le rappeler, hein, ce pavillon présidentiel dégage un luxe insolent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avions eu l'occasion de visiter ce pavillon. C'est vraiment beau à voir. C'est dans ce pavillon que les deux présidents vont certainement prendre quelques temps pour échanger avant de voir le président kényan prendre son avion et s'envoler pour regagner son pays. Et déjà dans l'aéronef, les pilotes sont déjà là. Nous avions dit au début de l'intervention que le moteur sont déjà allumés. On attend que d'un moment à l'autre, on attend que l'arrivée du président kényan avant de s'envoler pour son pays. Et le président de la République démocratique du Congo a annoncé qu'il y avait déjà une invitation de la part du Kenya. Et ça dépendra de son emploi de temps pour se rendre au Kenya. Et il considère que le Kenya, c'est aussi la République démocratique du Congo, de par des bonnes relations qu'il entretient avec Uhuru Kenyatta, le président kenyan, Wivin Jata. Matunu mingi mpangi Blaise Bokokia bampenge luzulu bisika nyose mibakama betukele na nganda ya avion na ya njili kisika 15 ya kupesa mbote hein wapi ya uzula futuka nani na mfumu ya isi ya Kenya Uhuru Kenyatta fona futukila beto akikuma awa na nganda ya avion samuti andi futukila yandi insi na yandi betume bakama awa mpamba vebe fona zabati kiese kila kumona yandi kumaka na lumbu ya makumi zole mpe bubu yai kile bose lumbu ya makumi makuzole na zole ma kabau zole ntete na nipa kusa kumoni sa penza kinzi ya kutuna mabogo na nikati nuna yu ketela kabisa lumbu ya mguzi ya tiba nisi ya nzenza ya insi na betu ya yumeka toko bisa kiti kisika Christophe Lutunu ya tabaka kiti hein na bilumbu kwa isa ni mwesta tumula kisalu mpena insi ya Kenya ba uzole batu lawa mabogo na mikanda mikanda ngobo tubulaka na nini kabitu metela mbote kima bitu fana simba penza ya ngolo kile tatu batu webi matatu ya ntete na metela mini mambo kutanina ya zole na metela mambo ya kutunga kubongisa banzila pe banzila lukala ya tatu kile mambo ya kumanga madesu ya bana baina nyonso kesa bisela muyibi bafo na manga yao kabetu mesima mbote mamu nyonso bote bila kana lumbo masono bima tatu kuna mfumu ya insi ya bitu mkatika Kongo pe Uhuru Kenyatta mamu nisaka mabanza na bao kansi bafo na simbati insi ya Kenya mendima kumebome baka lukanu kintuwe na insi na beto na kutumbula bisalu na nguizani pe kuwakana ya mbote pe kumanga bisalu ya imbi befo na zabati na kati ya bisalu na bao pe na kati ya nkinzi ya kutula maboko na mikanda kuna ya munisaka penza mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kuzabisa penza ti ya teleka mfumu ya insi ya Kenya amekosa ni mfuka ani zabisaka ti amekosa ni mfuka pamba vile bilimu kwisa afu na munisa penza manaka na bisalu tupe ya janda na ina kukusa nzitulo na insi ya Kenya na kukuma na kuna pe amezabisa ti na bilumbu ke kwisa bimvuka ya basulda ya kine fona kumia bitu awa samu na kukula bimpumbule memo na kata este bana ya este kina kata kudila na ntama bitu kile awa bankaka isa ya isalu kasi na este bankaka kina mfinda bankaka kina maza bankaka kisa bafe inki botadia na kuwa mambu ina Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mekusa telema penza meza batin mambu mutindo fona mana wapi bafona manga mambu ya mutindo ina nyoso kusawa kutubama na masolo ya basulda kama zono kati metela bifikula bawo na ina kwisa cortege me banda deja ni me monta da ba bantu batukutuko hapa ngimlizo kokia mfumu ya insi ke kusabisa mpangi nandi eh na kusa monta penza ti ya teleka ani ya makani mbote mpeke zulila yandi kuvutuka ya mbote blesbo kokia. Ce sont des motards éclaireurs, très chers téléspectateurs, qui précèdent toujours, hein, qui font partie pardon, du cortège présidentiel. Ils sont sur la nationale numéro 1, ils viennent du centre-ville, voilà, ils sont là, ils font déjà leur entrée au niveau du patio, les indiges patio présidentiels, les autres pavillons présidentiels, c'est selon. Et nous allons peut-être vérifier, mais les deux termes hein, s'utilisent passion ou pavio.
les moteurs donc se dirigent vers le pavillon présidentiel. Voilà, la Jeep. La Jeep à bord de laquelle se trouvent les deux chefs d'État est là, en gros plan, avec ces belles images vous proposées par J.R. Diakiadi et Maxime Androgua, Androquois. Voilà, les cortèges présidentiels font son entrée au niveau de l'aéroport international d'Ondjili, d'un moment à l'autre. Oh, quelles belles images! Quelles belles images! Merci beaucoup, J.R. Diakiadi. Merci, Jiren Skelani. Merci à toute l'équipe technique. C'est l'arrivée hein, des deux présidents, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, qui arrivent donc ici à l'aéroport international d'Ondjili. Ça ne fera pas longtemps, croyez-moi. Ils auront peut-être quelques temps au niveau du patio ou du pavillon présidentiel pour échanger les derniers échanges ici à Kinshasa. Et puis, ça fera quoi on verra. Les deux chefs d'État se dirigent vers l'aéronef où les présidents, pour laisser le président kenyan monter à bord de son aéronef et regagner son pays, le Kenya, via la capitale Nairobi. Voilà, belles images. Et nous allons assister à un moment à la descente hein, des deux chefs d'État de cette belle Jeep, hein, vraiment très cylindrée. Hein. C'est beau à voir. Quand on le voit comme ça, c'est vraiment beau. Et même au travers des images qui vous arrivent, vous remarquez que c'est vraiment une très belle Jeep. L'officier d'ordonnance descend, les deux officiers. Hein. En blanc, c'est l'officier d'ordonnance du président kenyan. Et en bleu, et bleu ciel, c'est bien l'officier de la République, du président de la République démocratique du Congo. Voilà, le président kenyan en relax. Hein. C'est qui prouve à suffisance qu'il était, très bien hein, à Kinshasa. Et c'est la raison pour laquelle il porte une chemise ample qui respire. Et les deux chefs d'État se dirigent vers le patio ou pavillon, c'est selon présidentiel. Ils vont passer justement quelques moments les échanges. Je me refuse le droit de vous dire que ce sont les derniers. Ce n'est pas les derniers parce que d'un moment à l'autre, ça dépendra de l'emploi du temps du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son emploi du temps, si ça lui permet, il va aller à Nairobi, au Kenya, sur invitation de son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Nous avions dit qu'ils vont passer quelques moments ici pour des échanges. La troisième personne qui s'ajoute, hein, c'est l'interprète. Il fait partie du cabinet du président de la République du Congo, démocratique du Congo. Il maîtrise parfaitement bien l'anglais. Vous avez remarqué depuis l'arrivée de Uhuru Kenyatta, il est toujours là. Il fignole bien l'anglais et il joue très bien son rôle. Les deux présidents qui se posent, voilà comment ils se regardent. Un regard qui frise l'intimité hein, entre les deux. Et je suis charmé par l'attitude du président kenyan avec cette tenue relaxe qui prouve à suffisance qu'il a passé de bons moments en République démocratique du Congo. Il part avec un souvenir de la République démocratique du Congo. Godé Kabundi, il n'est pas là, il va revenir. Hein. Il est à la recherche des infos. C'est un chasseur des infos, Godé Kabundi. Ouvin Jata. Matuni mingi mpangi blaze boko kia ba wenyewe kusakota hein? Ba wenyewe kusakota penza mingi penza na nganda avion ya Njili kisika salon ya vizaya nene suku ya nene penza ina yukisa zamana penza na kufingila banziza pina kutama mfumu ya isi kisaraka nzitolo na kusa pema fioti na bilona yandi ba wenyewe kusabakama na Uhuru Kenyatta kisika wapia kumilaga betu na lumu ya makumi zole ya ngonda ya betu kena yao talabubu lumu ya makumi zole na zole alifuada mfutuka wapi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mbaka yandi Mazono ba munanaka na Palais de la Nation. Bubu yai ayipesa ni mbote sa muna kukwenda. Mami vwanda ntete ba fona sulula ba pema. Mpamba feba me katoa kukota ya na ditoma. Ntango me lutela minka sa ba fona pema. Tina kumulisa penza kinduku ya mbote na mpangi ya kusawa kutala nge. Ba ino kusawa sulula. Mpanga lusu katumete la bifikula penzo ki mwonisa penza ti. Uhuru kenyata kufwanda ka penza na isi na yali. RDC kele isi ya keya mbaka bantu ntango nyonso. Mwenye mwenye sa penza kindugu ya mbote temple wake pema wake sulula kiesi kile mingi. Bame ya mandi mbote kiesi mekusa mwenana na Uhuru Kenyatta mfumu ya insi ya Kenya. Kasipa wetu metela ntete ya bifukula mpia andi mpi kile mwana ya mfumu ya insi ya ntama ya Kenya. Ububu yae amekusa baka mpi kiti. Tala osula tuwa ti kimfumu ke kusa landa ya nikaka. Mwikisa landa ya nikaka. Katu mete la mbote ya ni metanga mpi mingi ya metanga mingi ya wana insi ya Kenya kusabaka dipwemi na mpako na insi ya banzenza.
Il y a un diplôme, bisalo ya mutindo mutindo kaingia sula kwenda yao ngetra bibulu kana bisi batina ntango ya nikumaka awa nani na uru kenyata ani usepelaka na makini na beto ngona bapende na pende mutindo banda kukina bampanya luzulu na isi ya kina mpe bakele makini mutindo na yao kele ya kusasa sipe na nani yosula tubati beto kele ya konda ndilu ndilu na inki na kinduku kinduku kepo na kafe kinduku betube kuma penza di buta mosi ya miku samuni tapenza uhuru Kenyata tala kesi miku samuni na mingi na ukuma na beto awa ya uina fana vutuka na nisi naendi felisa ntaya sige chile umbogi kusa sepela pe miku samuni saendi penza bilumbu ya mbote bilumbu ya mbote wapi ya zabisa ganti ame kosa ni mfuka mfuka yango afana mwana na kuna mpangi besi mpe sanani muna kumuni tapenza na kuwa na godeka mbundi ya yani miku sasa penda bansao Godé et Kabundi, nous limitons au fait, et le fait ici, c'est ce que nous voyons. On n'invente absolument rien, très chers téléspectateurs. Vous observez, vous remarquez, en même moment que nous, les échanges entre les deux chefs d'État. Regardez comment Uhuru Kenyatta est très détendu, ce qui arrive rarement. On a vu certains chefs d'État qui se retrouvent et qui se regardent comme souris et chien. Et ici, ce n'est pas le cas. On sent une certaine proximité entre les deux chefs d'État. C'est une bonne chose. Regardez, c'est bien le comité d'accueil, avec en tête le gouverneur de la ville province de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et les commandants de la région militaire pour la ville province de Kinshasa et aussi Godé Kabundi. Toi, c'est que de la way to blaze beaucoup qui a sans arrêt. Beaucoup j'ai dit que la bande va moins qu'on voit c'est coaché par le chant de Kabakari. Maman a confié que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tombe au calabre d'Ipa Djimbe. Le mouchino beaucoup vont beaucoup boya ni moins loin de watcher ça qu'avant mes calamos fika qui Uhuru Kenyatta wa kuruseka lo dit on a déjà ken maman a confié. Jisomba jidibi kalaba somba bayikila boakumbona mouchindo wa kula yangana jinu j'ai dit que la boise basomba bimpa bitamba. Basomba biakana, basomba buwetu, basomba buwena muntu. We umumu wana mushindu du Uhuru Kenyatta mwikala musomba buwaba badibika la batangila television. Mbwa kunu jariki la buwase, musomba mushindu tumuntu, musomba kwenda yeya, musomba muikisha, musomba mwikala mwana buwani bajiba jinga kushilangana ni wenda wapamoyi. Na nkumbwa kunu jariki la biakana buwase, mbe jini muyuki mwaka na mujalama ni mulelil. Kibualu kaya nubamu nase, mbanju kukungamangana, mbasomba, mujitalala, Uhuru Kenyatta, Kenyatta, mwikala musomba alaise mujiba akula mwakula mfalansa kai mwikala mumona buku jibwalo to bayikila kabi musomba na bakwa bamfu baritunga usana basomba ewo mutangira wenda pala kulwenda tuseka ewo mutangira kuwenda tuseka mukwabuka me ya apa padi mimwemo padi tuseku padi muyuki mbona ko bishadi kabwa se bari mwa kushala nungu nashiku 18 era tudi ana basomba situria tuka tuyikila ngwetu mujimu wa kuikala kwa kula na shabamba ni basomba bayi kala bayi kila musalon donner ton ku 18 era bidiana bikumana bwalu mfumo wa ditunga dia Kenya musomba muenda simu RDC musomba penda mu munanga bikol mwikala muimpa mbakuno mvisha bwase mbasomba byakana bari mu muyuki muimpa mujala ma wajila yangana bwase lelo yemu meba mapinga nemu muje ufingana kuluseka lwa Kenya kudibika la hinda ba muinjila ni mfumo wa ditunga dia Congo Democratic makele la payi kijibu wajadi kibwase okoti singa nyongo mbwa kwamba bwase wewa mushindu jumungere jibanze ja mujanze kula mwanyi mune mwere dese matuma kesa lalo kompala njindo panyi mu Kenya bwa kula kumone bidi mu mukuyikilangana tetu kusomba kabiji njuma kwenza panyanyi matuku bumu jumwenza mwe munwemu mushindu jumuyuki uri mwika lufitakanangana bwa kuna shadi kila bwase pambelu bwa kufika kuluseka lwa ndeka bakaji bimana kuhofu kujibane na babampulushi bajuko huku kujibaba salai bajuko huku kujimulombo jwa ville province wa Kinshasa ponso hafu bajibafika bwa kumuna mshindu wakushi ndikisha Uhuru Kenyatta bwase ya muna mshindu wakufinga na kwenda bwa kunu mvuisha bwase muyuki mulelela bamfu mbamatu ngubi kene bikala biyakana kibualu kanu mbamuna se mulombo je wa komini wansele udumuika na mwabe u mune na wabasalai ujipu
wabampulushi uri mwikale penda popu byoso abi anubwase bamuna mwakushindikisha mwenyi munena uvu mufuma kuenda mutanchi muda muditunga ya Kenya mulo munwemu anubwase enza muyuki wakweza wabwene muntu mfumo wali tunga Kongo Democratic Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yeye ujumwikala mulomboji wa inyo African mwene kwamba se muditunga ya Kongo Democratic nimu ikala banfu mubama tunga balo munwe mbeza mudi mvula biloka mbo wakulo kuyikila ni mbo wakumono mshindu wakwenza bwa se sombiru mulenga wabana ba mudi tunga da mo matunga mkwa mufika ikala mwakana wetu blaze boko kia sanza. À titre de rappel, très chers téléspectateurs, les entrevues entre les deux chefs d'État, mieux le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, hier est constitué sur trois points essentiels. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo l'a rappelé. Premier point, la sécurité. À ce niveau, le Kenya est disposé à être aux côtés de la RDC au travers des forces armées de la République démocratique du Congo pour aller mettre fin à l'insécurité qui prévaut au niveau de l'Est du pays. Et le président de la République a bien souligné, j'utilise bien le terme qu'il a utilisé hier, je parle bien du terme qu'il a utilisé hier, la situation sera impitoyable pour ceux qui se donnent le vilain plaisir de créer l'insécurité au niveau de l'Est du pays. Le deuxième point, c'est la réhabilitation, mieux la modernisation de la route transafricaine qui va à partir du port de Mombasa jusqu'à au niveau de Beni, Bukavu, Goma, Bukavu. Et c'est cela, nous sommes déjà au niveau de la RN4 et une partie de la route prioritaire. Les gens de l'Office des routes qui sont entre eux de me suivre, à l'instar de l'ingénieur Herman Moutima Sakrini qui dirige cette entreprise, comprend bien que la RN4 joue un rôle très important. Vous pouvez quitter Beni, vous arrivez à Komanda, vous laissez la partie droite qui part vers Bunia, vous débouchez sur Mambasa Bafouasende et Kisangani Banalia, Banalia Bouta, Bouta Bumba. Et cette route continue, c'est bien la RN4, c'est une route qui joue un rôle important, surtout au niveau de notre pays et qui relie plusieurs provinces dont les infrastructures routières étaient aussi au centre de ce tête-à-tête entre le président kenyan et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Et le troisième point, c'était bien sûr la lutte contre la corruption. Ça a toujours été un cheval de bataille pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo depuis son arrivée à la magistrature suprême. De preuves, il y en a. On a vu certaines autorités être jugées parce qu'à un moment, elles jouaient toujours d'une présomption d'innocence. Les uns ont été relaxés, les autres purgent encore leur peine au niveau de la prison. Les autres encore sont poursuivis. Donc la lutte contre la corruption, c'est un cheval de bataille pour le président de la République. Et heureusement que les deux chefs d'État regardent dans la même direction pour mener cette lutte d'une façon... mener cette lutte contre la corruption dans notre pays ou dans nos pays, le Kenya et la République démocratique du Congo. En gros plan, c'est les commandants, le responsable numéro un, la garde républicaine, le général Christian qui est là et qui porte son cache-nez, un bel exemple à donner pendant que la COVID-19 entrait de prendre des allures quelque peu inquiétantes en RDC, même s'il y a des efforts qui sont conjugués par les autorités congolaises pour mettre fin à cette pandémie qui a pris des allures inquiétantes à travers le monde. Mais ici chez nous, au moins, on a fait des efforts. Et ici, il faut saluer les ministres sortants, Eteni Longondo, qui s'est battu bec et ongle avec tous les comités de coordination, Dr Mouyembe, son équipe, bec et ongle, pour que cette pandémie ne puisse pas prendre des allures inquiétantes d'une façon inquiétante comme ça se fait sous d'autres cieux. Et Teni Longondo, bien sûr, qui a dirigé le ministère de la Santé, et qui est arrivé à la tête de ce ministère pendant cette pandémie, et ce n'était pas facile, mais on ne voit pas que les côtés négatifs. Voyez aussi les côtés positifs avec les efforts fournis par ce ministre et tous les membres du comité des ripostes pour essayer de limiter les dégâts dans ce secteur. Nous poursuivons cette retransmission, très chers téléspectateurs, ici au niveau de l'aéroport international Edunjili. Je crois que d'un moment à l'autre, le président, les deux donc, vont se mettre debout pour rejoindre le tarmac
où est posé l'aéronef du président kenyan qui va bientôt rentrer dans son pays. Et l'ambiance est bon enfant ici. Uhuru Kenyatta qui vient de passer des très bons moments en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Il rentre, hein, bien sûr, avec un bon souvenir, Uvin Jata. Waouh, Matondo Mingi, Blaise Bokokia, Bampenge le Soulo Minutala, Moutinbage Soulola, Ambiance Kila Kitoko, Yome Moyana Penzati, Anime Lutsa Bilumbu, Mbote, Wapi, Amekubut Mekumadia Kanangan, Davio Yandili, Mpamba Ve, Betu Yambakayani Mbote, Awa, Mekuman Tangu, Yakuvutuka, Na Insi Nayandi, Naniina, Uru Kenyatta, Yakele Fumi, Insi ya Kenya, Yani Labame Bakama Nantola Panan, Bame Bakama Penza, Na salon présidentiel, ya kebe bakama blangande avion, ya njili, na mfumi ya insi Uru Kenyatta, katumete la tala ndekena ba wina, Kenya Airways, kele pana na kufingila mfumi ya insi, katumete la vifukula, bitope bandume bakama nanganda, ya keki ingila ya ndi penza, samu na kukota na ndeke ina, mekusa bakama penza, guverno ya mbanza Kinshasa, mekusa mwonisa liyaka mbuta yoketa la wisalu ya mbanza Kinshasa ya Bapulusu, Silvano kwa Songo, mekusa bakama mpepwana, mekusa mwonisa liyaka nani na burumeste, nkama ya kumini ya nsele, na bamfumu ya nkaka, ya fonde ya basolda, pe batu ya nkaka mekusa bakama pana, mimi mwona pidiaka mbuta yoketa bandaka kutela wisalu ya mbuzeti wazisi ya banzenza, Mama Tumbazenza, yani mekusa mwona mpidiapana na kuzoli la penza na mfumu ya insi ya Kenya kufutuka ya mbote mpamba vebeto ya mbaka ya ni mbote na lumbu ya makumi zole kisika ni kuminaka beto awa na nganda ya ndeke matumigi monisaka kiesi na bao na kuyamba penza mfumu ya insi ya Kenya Kenya na insi na beto kintuku ya mbote ikele bonso bome katua kusula bao zole na lumbu ya mazono na parede la nation kisika wapi nkinzi ya nene salamaka bende ndakaka mbifiku batulaka maboko na mikanda ya wana insi ya Kenya ya wana insi na beto batulaka maboko na mikanda samu na kutumula bisamu na kata ba insi zole betatendula na beno ntete ni Uru Kenyatta kile mosi ya kita la bisamu ya kutanina na kati ya Union Africaine ya meba kama Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Mboso mtuadisi ya Union Africaine kansi ba mesula ba mambo mingi na kutumula bisalu ni yame tela insi na beto ba mikisa tuba bisalu mingi na kumambu ya kutunga kubongisa banzila banzila ya lukala ya kikusa mwone na bilumbu kikusa luta bisalu yosa tambula mbote kutunga babima mutindu na mutindu samu na inkive kutani na bana insi na kuzinga na ngemba kumanga mambu ya madesu ya bana yina mpeba kusawa kutubila yao mambu ya tatu ya mfunu mbitu tubila kabeno na mtango meluta ya mkete vondaka na metela mingi mambu ya kutunga ya zole mekusa tela mambu ya kutunga kubungisa mpe ya titu mwana mambu ya kutanina mpe mambu ya kutunga mpe ya tatu mekusa manisa mambu ya kumanga madesu ya bana nyoso ina tatu bakusa kutubila penza kima ya ngudi benzo tufana simba na kutubila Amazon na kata pale de la nation bao zole bakusa kutubila yao na nzile na bao ba mbuta lulia li ndambu zole bakusa kutubila maboko ya mikanda atumetela na nganda ya vyo mbe muna batu nyoso mekusa telema penza na kufingila yani mosisa muti muzenza ya nebetu ya mbaga yani afana futuka na insilani afutuka na ngemba beto mpe na ngemba kese mekusa mwona na penzati kinduku ya ngombe bandantama kisika Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tubanga Amazon ba uzole kinduku meba na yantama na ntuala ani kuma mfumu ya insi Uru Kenyatta kubokileka ene inzo na yandi na Kenya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuendaka ani yambaka yani basulula kambote na kutumula bisalu tala bubu ya ene amekisa kuma mfumu ya insi pe ya ni vwanaka na kati wa mfumu ya insi ya kumulanaka na ntango mbakaka kiye kwa ya kubikisa kimfumu na mfumu ya insi ya ntama kusawa pesa kimfumu penza na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na nima bisalu ya kupona ma nyoso yotu mamaka mazombe tukisazawa nyoso bitu fana zaba tibitu mwonaka mpe Uru Kenyatta na nkinzi ina nyoso yotu samonisa ti kinduku ya mbote ikinu mbandaka banda ntama yokele bubu ve ya wina kusawa kubukila yandi mpe mfumu ya insi na beto zabisa kati mfuka yango kile ya nene
fuga yanene munze mikisa talangi pisinge pada futu ya kuna na misa la kati na binu mge kuisa anita sala nzietelo na isi ya Kenya pe ya kusangisa visa ti mutinu bana ya esti kila ngata kujila mambu ina fwana mana mfuga ya basolda ya Kenya fwana kumina beto awa samuna kukula bimpumbulu ya kepesa mpasi mingi na bana insi na beto ni wapi ngemba fwana vwanda na bisika nyosu kisika wapi uruhu kenyata na kata inu African ake mosi kieta la bisalu ya kutanina pangi blaze boko kia ndapesa ya ngevitu futula mpangi blaze mbutupesa na gote kambundi kisika kisika mwonita beto mkinzi ya kuzolila mpangi ya futu kambundi Godé et Kabundi, en gros plan, le président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a à ses côtés le président kenyan, Uhuru Kenyatta, et même s'il y a l'interprète qui est au milieu, parce que les deux présidents respectent leur langue officielle, même si Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parle anglais, mais il respecte sa langue officielle, il parle en lingala, en français, il parle en français et le traducteur transmet le message à son homologue kenyan en anglais et vice versa. Godé Kabundi, l'ambiance bon enfant ici au niveau du patio ou pavillon présidentiel Angeli. Blaise Boko Kessanza, ngambi de bana betu boase lelu ibuchacha bucha, udimo kucha lelu, na shite tuba ya nungu ni muyuki wa mshinde huu, na shito ni kuji zwiter, bidano biyakana, wal Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni Uhuru Kenyatta, mbasomba, buwene muntu buwe wetu, bediba yikila, biyakana mene mene. Bantu babuni, bedibika la balonda televizyon, bedimo kwebeja ni kadimu wachini mbasomba mwabuwa basatu, Félix Antoine Fumwadi tongo da Congo démocratique ni mwikala wa nsangilu wa matonga mko mufika inyo africaine ni Uhuru Kenyatta mwikala ku luseka luko abo kadu dipanka chinka chipabungany mwa kubumvuje se mulubuji wa mwanda anyi interprete njumona se baju kumpinje wo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni Uhuru Kenyatta ba patuku berwa patuka mpinje wu mo kuruseka lwa salon d'honneur baye batangela kundeka bwase mwinenda uvu mwende la bwenyi amuno mshindo wa kupatuka kuji patuka basanga nyise kuji bane na bavula babika la binjila bwa kuma no mshindo wa kumwela moyu wa ndekelu wase amuno mshindo wa kupingana kwabo ndiba jumwena kaina mudi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni Uhuru Kenyatta bikala ba pamuka bamukunza baye batangila kundeka munji no ambira pachibiru bwase ngwetu mujimu uturibikana nawo chuwa mpanchini chamane bintu bya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tombolo kala dipa dimbela muchino bwa kuvambuka boya chepela pele chepela ntende chepela mafuma ni ntanda kalombi bwatu udini bwenda muchaji yeya muyuki munene udiba yikila uji wase ditalala jinne na jakana ni jijalama jimona mushindu wa kubwela kuluseka lwa Esther wajitunga kokweku kuikala babasalai aku Kenya ni chakufika kulusekeku bwase ba muna mwa kutatula ku masashi kuji aba bonso bajibikala ba M23 MFDLR bonso bikulusekeku ba muna mwa kushyakaba bwalu ba kuchunyinga kutachisha bana ba mwene Kongo mwanda muko abuju wase nkosa mishiku uju wenze kama litungo da Kongo Democratic kuluseka lwa Kenya mfumo Uhuru Kenyatta mwakula ushali kisha bwase badini chakumu na mshindo wa kushinta kasha ngenyi bwase nkosa mishiku ajik ni ba muna mshindo wa kweza buwa ba fonksionari de l'Etat ba muna mwakubwela kumu tulasa tuku wabu tuwajikwa rishi jalu ngenye mungenze luwa mujimu mwimpo kaku imuchima kaku ibu hivi kaku ibintu kwa bibi biabwene bidi bienzeku nkuji muanda ujuke ngele wase ba muna kumushindo wa kweza buwase bantu baji mwakua sulo jitu ngukufili na nshi ngenye buwase jitu ngeja Kongo Demokratik biyaka na jikala nye udumuikala wenda wela moyi muleja ba mfumu wako wabu badibikala babiluilu babasalai ni bako wabu bonso Uhuru Kenyatta urumuka lubelo bambila ni nushala biyakana kumeme mkanyi mutangila kwetu nukala mugitalala nukala nuchina nchino bako fambuka boya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo même taille, même corpulence même vision pour l'Afrique et voilà oh là là ça c'est un signe de reconnaissance de gratitude d'intimité entre les deux chefs d'État. Les spécialistes en diplomatie savent décortiquer ce genre de salutations. Hein. Et même nous qui sommes des communicologues, nous savons aussi décortiquer ce genre de salutations. Heureux comme Iris, bon, je vais dire heureux comme Uhuru Kenyatta,
et tu as passé des très bons moments à Kinshasa, très chers téléspectateurs. Regardez en groupant comment il monte à bord de l'aéronef qui va l'amener tout à l'heure à Nairobi. Il va regagner le Kenya. Il salue l'équipe restreinte au niveau de. Il salue aussi l'équipe congolaise, la partie congolaise qui est restée Rwanda, en groupant avec ces belles images de Jérémy Kelani avec la complicité de JR Diakadi. Le président kenyan est monté à bord de l'aéronef qui l'amène dans son pays. La partie congolaise ne va pas encore bouger, va rester à l'aéroport jusqu'au décollage de cet aéronef au Kenya Airways. Qui est de la compagnie hein, kenyane d'aviation. Il faut aussi dire que Kenya Airways joue un rôle important dans le secteur des transports qui vient régulièrement ici à Kinshasa et beaucoup de Congolais voyagent à bord de cet aéronef qui inspire confiance hein, dans le monde aéronautique. En gros plan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui regagne le patio ou le pavillon présidentiel, mais c'est que vrai qu'il ne va pas monter à bord de son véhicule, il va rester juste là devant pour assister personnellement au décollage de l'aéronef qui transporte son homologue kenyan Uhuru Kenyatta qui vient de passer des très bons moments à Kinshasa, une visite de 48 heures. On a vu le président kenyan, on ne peut plus détendu, déstressé. On ne peut plus à l'aise à côté du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entre dans le patio ou pavillon présidentiel. C'est selon, il est là, en gros plan. Il va se mettre là où il était avec son homologue kenyan jusqu'au départ de Uhuru Kenyatta pour son pays. Le président de l'Union africaine reçoit ce dernier temps beaucoup de chefs d'État africain, c'est tout à fait normal parce que c'est lui qui chapeaute l'Afrique. Apparemment, il va prendre, il prend part à bord de sa Jeep pour partir, mais la ministre des Affaires étrangères, Nzenza Tumba Nzenza, est ici avec d'autres personnalités congolaises pour assister au départ du président kenyan. L'aéronef déjà fermé. Moteur allumé, pardon, bientôt le taxi et aller jusqu'à la fin de la piste et le décollage. Mais nous y sommes, la RTNC est toujours là. Vous allez assister, très chers téléspectateurs, au décollage de l'avion présidentiel kenyan. Il est déjà à bord avec tous les membres de sa délégation. Vous aviez vu qu'au pied de l'avion, il y avait une forte femme, c'est Madame Monica Juma, qui est la chef de la diplomatie kenyane, un peu notre Nzenza Ntumba, qui assume encore hein, les affaires courantes, en attendant l'installation du gouvernement de Jean-Michel Samalukonde, pour voir Christophe Lutundula prendre officiellement possession de ses nouvelles fonctions comme chef de la diplomatie congolaise. Nous l'avions dit hier, hein, Christophe Lutundula a toujours été un grand ami de la presse et j'espère que maintenant qu'il est il chapeaute la diplomatie congolaise, il ne va pas se dérober hein, de ses bonnes habitudes d'entretenir toujours de bons rapports avec la presse. Il a toujours été attentif quand on lui pose la question, toujours disponible pour répondre. J'espère qu'il ne va pas changer de manie. Voilà. Les cortèges présidentiels qui s'en va, qui quitte l'aéroport international d'Ondjili pour regagner le centre-ville. Certainement que le président est appelé à d'autres obligations. C'est la raison pour laquelle il rentre au niveau de son bureau ou ses bureaux, parce qu'il en a hein, soit au Palais de la Nation, soit à la cité de l'Union africaine. Les cortèges présidentiels qui quittent donc l'aéroport international d'Ondjili et qui regagne le centre-ville de Kinshasa. Mais en attendant, l'avion du président kenyan va bientôt amorcer le taxi ici au niveau de la piste d'Ondjili, au niveau du tarmac, hein, devant le pavillon présidentiel. Voilà en gros plan les pilotes de cet aéronef qui engagent déjà des manœuvres pour faire déplacer l'aéronef. Nous allons assister avec vous au même moment, en même temps au décollage de l'aéronef du président kenyan et la RTNC est là
qui vous donne l'information en temps réel. Ce qu'il faut retenir est qu'au cours de sa visite officielle à Kinshasa, le président kényan a formulé le vœu de voir le président de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'effectuer une visite officielle aussi à Nairobi, au Kenya, où il sera également reçu avec les mêmes honneurs et la même intimité, et comme il vient de le bénéficier ici à Kinshasa, ou Vinjata. Andi zona mata mpe akwenda nanina Uhuru Kenyatta muzenze ya nene ya munana kana isi na beto awa andi kusawa kumulisa luse ya isi na endi mpambave kinduku ya mbote ike na kati ya isi na beto na isi ya Kenya beno ke muna bifukula ndeke ya mfumu ya isi ya Kenya Uhuru Kenyatta zona banda kutambula feti ya mbite bokilaka yao taksi ya uina mfumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuisaka kubikisa yandi na nganda ya vyom pe amekusa bikisa yandi mtangu ya imekuma mtangu ya kumonisa penza pe ya mbote RDC ya mbaka muzenza ya nene RDC mekusa pesa kiesi na yandi na kumonisa penza mosi ya pwandaka kutela biselu ya kutanina na kati ya Union Africaine ba mfumu ya luzolo, ba mpange luzolo muzo la zabisa la beno ti mta wenda kato meta la mbote yanyi na jiresi kele ni wikuta mwenta vila bifikula ya mbote na kuzabisa penza avionzo la pumbuka na kukwenda kansi na ntuala ya ukwenda betu nyo siki kusa pesa ya ni lukumu kupesa ya lukumu ani kusaka mbote kwenda mbote kisika mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekusa zoli la mpangi na yandi andi vutuka mbote andi kusawa utala betu na mtini babo kilaka yandi na nzietule ya mwa bilumbu kusawa na lumbu ya makumi zole pebubu ya lumbu makumi zole na zole andi kivutuka na nyisi na yandi wapi tumezoli kufutuka ya mbote yani munanaka na beto bonso tata ya dibuta ya nyisi ya Kenya tangu yai ndeke fona pumbuka bantu nyonso fona pusana na kumonisa penzati andi ke kwenda mupepe itwana pusana mwanta mafioti wapi uru Kenya take kutuka penza nyisi na yani ya Kenya na kukuma penza na Nairobi kisika ndeketa kita betu kezo lila andi kukwenda ya mbote betu nyonso bana ya Kongo betu ya mbaka muzenza ya mbote na nzietule na yani bametu bababima mingi ya mfunu na utina maboko na mikanda nemete ya mambu ya kutanina nemete ya mambu ya kutunga mambu ya kumanga madesu ya bana yina meza bana penzana isi na beto ngemesela imbi kufuna manga mambu na ingia imbi muhibi ve kusela bisalu mbote nyonso me kusatubama penza awa bampange luzolo kiesi ye kusamune na penza mbote mbote na kuzabisa penza ndeke yao yina kansi bafu na kwenda bata kwenda kimutindu beto na bende mitike kusavingila penza na kumonisa luzolo ya mbote na kutendula na kati ya isi na beto mame kusa monisa bitu metela penza betela ba dalapo ha dalapo ke kusa pepa ina penza ya pilote me kusa bimisa na kuzoli la ti bame kwenda rabawa ina me monina penda mfumu ya isi ya Kenya kukusaka na beto anifona futuka mame kusa monisa penda dalapo ya bau na kuzavila bame titi anike kwenda wow kese kele mingi ha kese kele mingi muzeza ya nene kusilaka beto anipona kwenda beto mbibitu vikala la ngemba avyo mebanda kusala taksi ya uhina ke kwenda fioti fioti na kutambula malembe malembe yoke kwenda penza kisika muzeza ya nene kusilaka beto anipona vutukila insi na yandi beto kezo lila yandi kukwenda ya mbote wapi yani nangena kubaluka taksi mebanda kusalama uhuru kenya take vutuka na insi na yandi kote kambu tuwasa kijila wetu within jate Kenya Airways ujumuika na mwambu la mfumo waditu nga ja Kenya ki Uhuru Kenyatta wamu nungushindu wakubanga luendu bama na kuikala bayu kilangana bela angana mchitu pachandekelu ni ntombolo kaladipa dimbele mchina wakufambu kaboy Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bama na kulaya angana yeye mwana kubwela mundek kubwaluka indek ukaripinje wendu kujumuka mbakumona makwanga telu bilu lwakashende ndemwe mutangi lokwa abu nanku kunukuchipalo chandika chanjili
bonsu baribi kale bingila batangila anubwa sendeka muno makubanda mulu kibwaluka ino nji mwena bwase bana ba mwena kongo bonsu apa kajomba kane na ka RTNC kadikikala kamuno mkanuleja chibwanda wonsu mujumwika lukengejebwa nojunu mwona muje dalapo anyi jibendel ja kuruseka lwa Kenya jikala jipepo mulu jikala wakunu jari kila bwase yeya ukadu fingana nkunyima kwa meba makumyana hii ni mwanda mkudu avumika la usanga nyibu mnemu muditunga ja Congo Democratic noba jadi kabwa se jumfuangana muyuki mwakana ni sombelu mulenga ujiba kengela bwa se muna mshindo wa kuikala munda mwa ditunga ja Congo Democratic kibwa lukai mufika bwa kujaji kila fumo wa ditunga ja Congo Democratic Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwa se umumana kulongolola enda masalai ajini cha kufika kunweku bwa kusomba kuluseka lwa est kwaka bwa kumona mshindo wa kutangela chilumbu cha ababa jibika la banyanga bana ba mwene kongu chizubu ni mujanga tadi aji jamfu mwadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa kujuwambi bwa se uyo suji mpudi machi na muna mwakumfo biyaka na bwa lubwa niba muko kwa wewe ni wikala kaini moyi mula na muna mwakutula nkinda bwa chini bwa lubwa bana ba kuluseka lwa est bwa nincha kusomba kumachi talala na anku bama na kuikala bala yangana kumushindu uji Congo Airways mwikala kujumukangana wangata lupepa wamuna mshindu wakufingana na anku kakwene buko wabutu mwakuna wambila budibu fitafayebu mwakuna wambila buwase yeye yanka yende panu mwakalaba jumwene mwabu vimusomba mu salon d'honneur uhuru Kenyatta uva musomba mujikish somba mutalala mufomoi mujimuna bumwende wachini buwalu buwa jumfane jibunaji panka chifa mfumwewu wa Kenya ni mfumwadi tunda Congo Democratic ni mwikala wansangilu wa Union Africaine badibu mfangana bimpe bitamba mfangana biakana mayuki mimpe bakula mimpe menemena ni kuluseka lwa bukufa interprete kufu msomba panka chinka chifa bwapu interprete bwachini bwalu bwa kuluseka lwa Kenya badibu bakula angle bakula kuni Swahili kajimu nwemu tulitu wakula mwomu Kikongo tuwakula Lingala Chiluba tuwakula kabiji ni Swahili bali kuteka popu ni Francais na nku Felix Antoine uvwa kula mu Francais yeye wakula mu Anglais na nku bion swabi interprete uvu pankachi wakukala kumona mshindo wakutata mulubu bwa ewu ni mwewu yonsu bwa muna mwakula bwa lubu wa sebonsu bwa bubikala benzi binu numona abi mbiashiko bipendo urumuikala wenzo bwa kunu leje toni mshindo wangata ilu bilu mwemu tangila mulu tujiba abunyi barbika la bafiko chupalu chandega ni lunke lulonsu anubu wa kwenza bwa se ba muna mwakuleje biyaka na bwa se mwenyu vumu tufikila mwetu mnemu Uhuru Kenyatta wasombi Wenji mebe mwako miyana hii ni mwanda mkulu pinje bika bikengene na finga na mwabu mwamu ni tudia mwene ndo toni mwede ubwele mulu buka nyunyi tushishi kunu kukulekela wakumuna mshindo wakujabika se mwenyu vumu tufikila mfinga na mwenda ni badibalondo kuluseka lwa Nairobi ku Kenya mbashadika ni RTNC nchisanshi tinena nchichika la chileje binji jimbi mumu shindo juu kengejebwa ni ngumu mwina tuitata mubula ni mubuchama wakuna shadikila buwase tudibene mujimu bakala andamu senga. Merci beaucoup Godet et Kabundi, très chers téléspectateurs. Vous remarquez l'aéronef transportant le président kenyan qui fait le taxi jusqu'au bout de la piste. Et qui le taxi au bout de la piste, hein, la piste qui est du côté de la commune de Lansele, donc vers Kinkole. Certainement il va décoller vers le centre-ville. L'aéronef qui poursuit hein, ce taxi, il y va lentement, mais quelque part là, il va tourner pour bientôt, bien sûr, il tourne et prendre l'allure du décollage. Vous allez assister avec nous au décollage de cet aéronef qui transporte, allais-je dire, le président kenyan Uhuru Kenyatta qui vient de passer 48 heures de visite officielle en République démocratique du Congo, reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'État par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine. Drapeau congolais et kenyan qui flotte, ces belles images vous proposées par nos caméramen, c'est une bonne chose, qui vont également revenir. J.R. Nskelani, et je parle bien de J.R. Diakadi, qui va revenir sur l'aéronef et prendre, voilà, qui va revenir sur l'aéronef qui tourne déjà, et qui va prendre les allures pour les décollages.
et vous allez assister avec nous. Ce sont des moments pathétiques. Les décollages d'un aéronef, les 5 premières minutes, apparemment c'est tout le monde qui est assis sur son siège, qui bouge pas jusqu'à ce que le pilote signale que maintenant on peut bouger. Il y a une lampe qui montre qu'on peut maintenant détacher la ceinture et bouger dans l'aéronef au plus tard, hein, tout au plus c'est 5 minutes pour ceux qui ont l'habitude de voyager. 5 minutes ça suffit. Si on va au-delà des 5 minutes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une zone de turbulence, mais à 5 minutes les pilotes vous demandent de détacher la ceinture et à ceux qui ont besoin d'aller se soulager, ils peuvent le faire. Hein. Et voilà, l'aéronef avec les deux les drapeaux, hein, drapeau kenyan qui flotte toujours hein, dans cet aéronef. Mais c'est vrai que quand on va prendre l'allure du décollage, ces drapeaux vont disparaître parce qu'il y aura un vent violent pendant le décollage de l'avion. Et ça en est le cas, on est en train de retirer. Entre-temps, le comité d'accueil est resté, le président est parti, mais il a laissé les commandants, le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le bourgmestre de Lancele, parce que l'aéroport international d'Ondjili se trouve bel et bien dans la commune de Lancele. C'est la raison pour laquelle vous remarquez la présence de ce bourgmestre ici au niveau de l'aéroport international de Ondjili. L'avion prend déjà la position du décollage. Mais la façon dont on a construit les pistes des aéroports, une fois vous êtes au bout du décollage, de la piste, pardon, l'avion décolle juste devant la tour de contrôle. Hein. Donc on a bien calculé le nombre de mètres à prendre ou de kilomètres à prendre pour le décollage. Comme cet aéronef est au bout de la piste, il va décoller, chauffer les moteurs, mais juste devant la tour de contrôle, l'avion amorce les décollages. C'est ce que nous allons vivre en ce moment. Wivin Jata. Ma tonne mingi impangi blaze bukokia betina banda kukuma na suka betina na kukuma na suka mpenge luzolo bisika na sumi bakama na kizunga ya Congo Central na Grand Bangundu na Kasai nyonso bisika nyonso sumi bakama sema nkivela insi ya banzenza talandeke tupe Kenya Airways avion ya uina rima na kukwisa samu na kupumbuka penza yo kwenda kisika betume zolandi kuvutuka ya mbote Vutuka mbote, nani ina, ururu Kenyata, fumu ya isi ya Kenya, mbote na nge, kuenda mbote, na bilumbu zule nge misala au na isi na beto, vetume wakana mbote, kusulula ya mbote, na fumu ya isi, bemetu na mabongo na mikanda, na bamambu mingi, bemetu bila, na kusosa ngemba, na kasi ya isi na beto, na kutombula bisalu ya kutunga, na kumanga mambu ya madesu ya bana ya muyebi, Nyonso meme tubila beno tala ya wino meme mata akina kasa kumata kwenda mbote binumbu ya mbote ngeme sala insi na beto vuduki la pensi na nge mbote mpamba ve RDC ke ya mbaka banzenza RDC ke ya mbaka mutu nyonso ya zula kinduku na beto kilu na beto ke ya kukanguka na kuzodila nge kukwisa ya mbote sala bisalu na beto tumbula bisalu na insi na nge yine mezodila beto na kumona penza uru kenyata yani yina yina kata kukwenda ame kwenda na insi na yandi kwenda mbote bisalu ya mbote zabati nime kotisa mfumu na insi na beto mfuka Bosa weza bisaka timu fuka yume kusila yandi anitakwisa kutala nge kuna na insi na nge kuwakana yambote Kenya kata insi na bote insi ya Kenya betume solila yandi kukwenda yambote blaze mokokia La RTNC chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire, très chers téléspectateurs. Grand était pour nous le plaisir de vous proposer hein, le retour du président de visite officielle en République démocratique du Congo. Il a passé de très bons moments avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président kenyan parti. Mais il y a encore un autre président qui va arriver dans 24 heures ou 48 heures, c'est bien, le président zambien qui va arriver ici en République démocratique du Congo. Nous assistons, hein, comme vous allez le remarquer, nous assistons à un balai, un véritable balai diplomatique. Voilà, ça ce sont des aiguilleurs. On les appelle des aiguilleurs qui sont au niveau du tour de contrôle. Ce sont eux
qui contrôle le flux migratoire de tous les aéronefs qui circulent sur le territoire, hein, sur le ciel congolais. Et Chico Bipendu est perché, hein, juste au niveau de cette tour de contrôle, et pour nous prendre ces belles images du décollage et de l'avion du président de la République. Voilà, ce sont des aiguillères, c'est comme ça qu'on les appelle, qui travaillent nuit et jour, 24 heures sur 24, au niveau de cette tour de contrôle, et qui joue un rôle important pour contrôler le flux migratoire de tous les aéronefs qui circulent dans les ciels congolais. L'RTNC a été heureuse du président kenyan Uhuru Kenyatta qui a séjourné dans notre pays pendant 48 heures. Merci à toute l'équipe technique, hein, ici présente au niveau de l'aéroport international d'Ondjili. Merci. En relais. Merci à toutes les stations provinciales de la RTNC qui nous ont pris également en relais dans les provinces. Merci à l'équipe technique au niveau de la RTNC. Merci à Ernest Kabila et qui est descendu tôt le matin pour nous donner le départ de venir ici à l'aéroport international d'Ondjili. Nous saluons sa promptitude avec laquelle il exerce son métier et il commande ses troupes et ses troupes qui sont toujours disponibles pour servir la nation. Merci à J.R. Diakadi et à Maxime Androgois qui ont réalisé cette retransmission. Merci à Godeka Bundi et merci à Wivin Njata pour le Kikongo. Merci à tout le monde. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement, toujours avec le même plaisir et la même ferveur. Merci.